donner des recommandations. Des recommandations qui... Ah, il a quand même... Mais garde le casque, garde une oreille, mais après il va le remettre pendant le match. Là, il veut écouter les conseils, évidemment. Des partenaires, des teammates. Et bah, ça va être la grande inconnue, parce que Cactu est un joueur online. Il joue de temps en temps online. Il a une Elena pas dégueulasse. Hein. Et Elena, c'est toujours surprenant. En plus, il joue le Brave Dance d'Elena. C'est une super, en fait, qui peut s'enchaîner et qui touche de très très loin. Qui a un startup assez rapide. Donc, ouais. Il peut punir des coups qui traînent. Exactement. Alors, Elena est un perso qui est qui n'est pas assez joué, je trouve. Alors qu'elle a pourtant des armes intéressantes. Bah, c'est pas un perso mauvais du tout, mais c'est pas non plus un excellent perso. C'est assez difficile de la jouer. Hey, oi, aïe. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un Mantis, on veut vous entendre crier hey, oi, aïe, hein, sinon ça ne compte pas. Hein. Première victoire, Black Queen écoute sa musique, il est content. Il bouge la tête, il dodeline. Alors, on écoute la foule hein, qui. Il y a des deux côtés. Hein, hein. Les Anglais, voilà. Oh, joli bail. Hey, oi, aïe. Hey hoi hey, eh non. Bien vu ce petit pari du saut. Hey hoi hoi hi, voilà évidemment. Bien oh joué. Joli, j'avais un doute. Cactu, qui a sorti les hey. Qui a sorti les phases. Alors, Yang est un perso très compliqué à jouer contre, vraiment. Ses Mantis sont vraiment. Donc ses Mantis, c'est ces petits coups de slash là. Ces petits Rekka. C'est quelque chose de vraiment très stressant. Sachant qu'on peut choisir de mettre un lent, un rapide, on fait ce qu'on veut avec, on ça tape. Voilà, c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer sur Terre. Mais c'est pour ça que Yang c'est très très fort. En tout cas, premier match pour Black Kun. Black Kun qui est assez confiant, hein, comme on le voit à sa tête. Il dodeline encore. J'aime bien le verbe dodeliner, j'ai remarqué. Bah, je viens de l'avoir, il est revenu dans mon esprit là, donc voilà, il dodeline, je pense que c'était le terme. Petit Larousse 2014, c'est ça. Exactement, le petit Robert. Alors la coaching de 3J pour Cactu. Faut savoir quand même qu'ils ont un Yang chez les Anglais, je crois que c'est Tamraz. Tamraz qui est pas mauvais du tout. Hein. Donc normalement Cactu devrait quand même connaître un petit peu ouais. Les phases. Mais Black Kun a quand même vraiment ouais. Il est vraiment Yang, très fort, il est vraiment très énervant. Voilà. On l'a vu là, tu il restes bloque, dans le coin. Il bloque dans le coin. Ah, dommage c'est raté, voilà, mais bien. Là par contre c'est réussi. Hey 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 hi. Bien vu encore une fois, tu restes vraiment dans le coin. Dive kick, voilà, il a décalé. Hein. Bien voilà, joué le pari. C'était couillu. Hein. Bien joué, là c'est my game là. Ah là par contre et il a non, tout donné et c'est pas safe. Hein, c'était pas safe. Mais en tout cas, bonne là. Agressivité de Cactu sur ce round. Il y est allé, hein. Il y est allé complètement. Et bah quand t'as plus de vie, bah autant faire ça. Hein. Parce bah, joli décalage. On dirait pas comme ça, mais 3-3 c'est quand même aussi un jeu beaucoup du mind game. Ah c'est complètement le jeu du mind game. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs extra techniques. Exactement. Mais avoir une très bonne lecture de jeu en fait. Exactement. Voilà, le Rekka X. Hey, oh, hey, oh, aïe. Black Kun qui gère totalement, bien joué. Bien vu là, et il le met dans le coin. Ah, non, confirme dans la garde, ça c'est dommage. Ça va punir, moyen pied, Rekka X. Cela dit, il était à la bonne distance. Hein. Bien joué, ça a puni le dive. Il était à bonne distance. Peut faire son retour. Oh là 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 là. Oh, ce coup qui touche à le bout de l'écran. Bravo à Black Kun, bravo Cactu. Bravo à Black Kun qui se qualifie.